collectivités ont réalisé un schéma directeur sur la transition énergétique de leur flotte de véhicules de transport en commun. APAV accompagne ces collectivités dans l'analyse de la faisabilité de leurs projets, en l'aide à la rédaction du cahier des charges, par rapport aux technologies de bus, de la topographie géographique, du contexte réglementaire et normatif, de la puissance et type de recharge adapté aux besoins, de l'analyse du dimensionnement des installations électriques, que ce soit sur de l'existant ou en création, de l'aide au choix des emplacements de charge, que ce soit au remisage ou en biberonnage sur le parcours, de l'aide au choix des entreprises. APAV a une offre globale sur des chantiers qui peuvent durer de 12 à 24 mois. À l'horizon du 1er janvier 2025, les entreprises ont l'obligation de mettre en place des points de charge sur leur parcours. 5% dans l'existant, 20% dans les flottes de véhicules d'entreprise, des obligations dans les structures en construction depuis le 11 mars 2021 avec des emplacements équipés ou pré-équipés. APAV accompagne les entreprises sur l'ensemble de votre projet à la conformité. Bilan puissance du projet, bilan puissance de l'installation existante, puissance et type de charge en fonction des usages. Exemple, un taxi aura besoin d'une charge rapide, le personnel, entreprise de 8h à 17h, d'une charge normale. Nous vous accompagnons sur la définition du contexte réglementaire applicable, l'analyse et la validation du dossier technique avant travaux jusqu'à la vérification de conformité.